Ford Blanquefort, c'est fini, c'est officiel. Le dernier obstacle a été levé hier. La directe a validé le plan social qui est donc lancé sur le site girondin du groupe Ford. 850 salariés sont concernés. Philippe Poutou, délégué syndical CGT à l'usine de Blanquefort, est notre invité. Bonsoir à vous, merci d'être sur notre plateau. Alors On sait que vous vous battez depuis des mois, voire des années même, pour, contre la fermeture de l'usine pour sauver vos emplois. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit vous êtes, vous mais on reste, euh, au moins en tout cas, l'équipe syndicale CGT, une partie des collègues, euh, même si c'est pas la, la, grand, la majeure partie, mais enfin en tout cas, il y a une minorité euh, qui reste très remontée, oui. très en colère, très remontée contre l'attitude la, de Ford, et puis quelque part aussi contre l'incapacité de l'État à, à contraindre Ford à, à faire que derrière il y ait une activité, euh, même s'il euh, y a encore un peu de suspense de ce côté-là, mais c'est vrai que c'est quand même assez terrible de voir cette impuissance, et c'est vrai qu'il y a un peu de déception quand même, mais on reste déterminé à mener une bataille parce que... Parce qu'en fait, on n'a rien à perdre et puis on a au contraire même tout à gagner à poser des problèmes, à essayer d'expliquer ce qu'il faudrait faire, ce que l'État peut faire ouais. et en quoi, surtout, un, un plan de fermeture d'usine, c'est catastrophique pour, pour nous et pour la région. Donc il faut essayer d'empêcher par tous les moyens. Et vous dites que vous êtes une minorité à penser ça. ça veut dire que la grande majorité est finalement résolue à accepter ce plan social Ça, ça, ça lui convient non, ce n'est pas que ça convienne. Ça, à mon avis, ça convient à personne, même si, évidemment, individuellement, des collègues, c'est notamment parmi les plus anciens, oui, qui vont euh, une pré ont Voilà, la pré-retraite, même s'ils ont des pertes sur, sur, ils ont une perte par rapport à leur salaire pendant les années qui seront en pré-retraite. Mais ceci dit, c'est légitime aussi d'avoir envie de, de, de se poser, d'arrêter de travailler après tant d'années d'exploitation à l'usine forte. Donc, ça, de ce côté-là, il y en a qui peuvent considérer que ce n'est pas si grave que ça et que, pour eux, en tout cas, ils s'en sortent pas trop mal. Mm. Mais après, pour tous ceux qui sont licenciés, tous ceux qui ont l'âge de travailler, c'est forcément des grosses inquiétudes. Oui. Et euh, donc du coup, il n'y a pas de satisfaction de ce côté-là. Par contre, il euh, y a une grosse résignation. En fait, c'est ça, on est à ça depuis le début, nous, depuis au moins un an que Ford a annoncé, c'est qu'en fait, nous, on a dit aux collègues, bon, il faut qu'on se batte, il faut qu'on qu résiste ensemble, il faut qu'on essaie de, de sauver nos emplois, il faut qu'on essaie d'empêcher la fermeture de l'usine. Et beaucoup de collègues nous disaient, mais écoute, on n'y arrivera pas. Oui. Ils n'ont pas forcément tort, Ils puisque vu le, résultat, euh, vu, vu le résultat, on peut penser qu'ils avaient raison. Mais nous, on pense qu'on avait raison quand même, parce qu'en parce que, parce qu en fait, il y a une vraie bataille à mener, parce qu'il a marre de voir toutes les Fermé et puis les, les, le chômage a augmenté. Euh, désolé, ça sonne. Voilà. Est pas grave, on est en direct, on a l'habitude des petits aléas du direct. Euh, justement, on va peut-être parler euh, du, 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 sur le fond, ce plan social. Est-ce qu'il est, c'est -ce qu euh, un peu bizarre à dire, mais est-ce qu'il est si décevant que ça Est-ce que Ford n'a pas finalement proposé un plan social assez complet On a lu, euh, vous allez me dire si c'est vrai, hein, mais que c'était 190 000 euros en moyenne par euh, salarié. On, on l'a dit, beaucoup d'entre eux qui vont bénéficier de pré-retraite. Un plan de reclassement également, une aide à, à retrouver un emploi, c'est pas suffisant non mais la somme, c'est complètement n'importe quoi. Enfin, c'est euh, même assez, assez impressionnant l'absence de rigueur qu'il peut y avoir du côté de, de certaines personnes. Même, ça vient aussi un peu du gouvernement. En fait, le, le calcul qui a été fait, visiblement, hein, c'est le budget du PSE qui tourne autour de 150 millions d'euros. 150, j'ai vu qu'il y en a qui disaient 165 millions d'euros. Donc, ça, c'est la totalité du coût du PSE ouais. euh, prévisionnel. Parce qu'en fait, le coût du PSE, il est déterminé clairement à la fin. On sait, on sait combien ça coûte à la fin. Mais là, donc, du coup, il y en a visiblement qui ont calculé 165 Millions d'euros ou 150 millions d'euros divisé par 872 salariés égales, mais c'est pas du tout euh, ça parce qu'en fait, dans le coût du PSE, il y a les frais de Ford pour payer le cabinet de reclassement, euh, c'est quand même plusieurs salariés sur plusieurs mois, les frais pour payer le cabinet de recherche d'un repreneur, les frais d'avocat, enfin, il y a pas mal de frais qui se rajoutent à ça. En Alors, fait, il y a toute une partie du coût du PSE qui ne correspond pas à l'argent que retrouveront. Après, le PSE, c'est un outil très compliqué à, à tiroir. Il y a ceux qui partent en pré-retraite, il y a ceux oui. qui sont licenciés. Parmi ceux qui sont licenciés, il y a ceux qui auront une prime euh, de création d'entreprise, il y a ceux qui auront de la formation, il y a ceux qui n'en auront pas, ou des formations plus ou moins longues, plus ou, des ou moins chères. C'est particulier. On ne peut voilà. pas voilà. dire qu'un salarié, voilà. Et, on ne peut pas parler d'un salarié. En, tout à moyenne, fait. Et ce qui est sûr, c'est que les 200 000 euros, personne ne les aura. Et euh, les 100 000 euros, peut-être que quelques-uns avaient les plus gros salaires, parmi les plus gros salaires de l'usine, parmi les cadres notamment, euh, eux, ils peuvent franchir la barre des 100 000 euros. Mais pour vous dire, à peu près, moi, j'ai pas calculé pour moi parce qu'on s'est pas trop intéressé oui. euh, individuellement à ces questions-là mais pour dire quelqu'un qui a euh, 25-30 ans d'ancienneté qui a un, un revenu aujourd'hui autour de 2000 euros net par exemple mm -hmm. il toucherait a priori 45 000 euros à peu près euh, à la fin ce qui correspond à un peu plus de deux années de travail euh, peut-être trois années pour certains il faut voir mais bon c'est il y a un expert hier qui, est par, qui a parlé à France 2 qui a dit qu'en fait le PSE de Ford c'est euh, la moyenne basse par rapport au PSE à comparer avec les PSE des grosses entreprises de la taille de Ford sinon c'est que si on compare le PSE à un, à un plan de licenciement d'une petite entreprise de 10 salariés euh, ou un, un licenciement économique individuel, c'est clair que notre PSE il est au dessus de ce que peut toucher un salarié pour tout seul. Pour une euh, multinationale, pour vous. Voilà, là nous faut. C'est pas alors, satisfaisant. Vous allez justement contester ce. ce oui, plan parce que, Social bon, en justice. Pour finir de répondre sur cette question-là, hein, en fait, un PSE satisfaisant, ça voudrait dire quoi Parce qu'à moment où on, on est licencié, euh, que derrière à l'âge qu'on a 50 ans, 51 ans de moyenne d'âge sur l'usine, euh, derrière c'est quoi C'est des années après. De, de grosses galères, de d'inquiétude, de, de, de précarité, puisque ça sera un boulot, peut-être un autre. Euh, donc en fait, un peu, comment on peut chiffrer finalement la valeur euh, de la perte de son emploi ouais. C'est ça le problème. Donc derrière, il faut se rendre compte que pour la plupart d'entre nous, ça sera des années compliquées et certainement même euh, des périodes de chômage ou en tout cas des périodes de, de, de précarité. Finalement, ce que vous dites, donc aucune compensation financière. Euh, ouais, il, ne il, peut eux ils veulent ça. présenter ça. Effectivement, ils veulent dire regardez, vous avez une grosse somme d'argent, c'est un matelas, vous allez pouvoir rebondir pour la suite. Bon, ok, mais sauf que certains et c'est le cas de GMS par exemple, ou d'autres boîtes, une boîte où il y, a tout, il y a des licenciements, mais derrière, la plupart, les deux tiers à peu près, se retrouvent dans la précarité et dans des conditions euh, très dures socialement. Donc c'est pour ça que nous, on s'est battu jusqu'au oui. bout contre ce PSE-là, parce que nous, on pense que la meilleure façon d'avoir un emploi et de vivre correctement, euh, y compris même intégrer socialement, c'est de garder son boulot. Et c'est ça qu'on a voulu faire, et c'est ça qu'on continue à faire, avec l'idée qu'il faut absolument qu'il y ait une activité industrielle qui revienne pour avoir des emplois et pas se retrouver à Pôle-Emploi, pas se retrouver en intérim ou dans des plans galères. À quoi ça peut servir justement de contester ce, ce plan social en justice Concrètement, qu'est-ce que ça peut... Amener. Mais -ce euh, on peut faire invalider un, un, un PSE quand il n'a pas de justification économique. Celui de Ford n'a pas de justification économique. C'est-à-dire, quand Ford a décidé de fermer son usine, ce n'est pas parce qu'ils ont des problèmes de sous, ce n'est pas parce qu'ils ont besoin euh, qu'ils ne font pas de bénéfices et tout ça. C'est juste qu'ils ra rationalisent la production. Ils nous l'ont dit comme ça. Ils optimisent l'organisation de la production à l'échelle de la planète. Et donc, et bah, ils liquident les petits sites et puis ils concentrent la production sur les gros sites. Et euh, donc, donc là, on, là, on a. Finalement, vous avez encore un dernier espoir avec ce recours en justice bah, Disons que c'est un espoir qui est très relatif. C'est L'idée, là, mais c'est ce qui s'est passé à GMS notamment, qui a réussi à faire invalider le plan de licenciement. C'est aussi arrivé à des usines comme Goodyear, ou enfin, des, grosses, des grosses situations comme Continental, ou, euh, ou même Molex, dans la, du côté de Toulouse, il y a quelques années. Mmh. Euh, la lutte permet de faire invalider euh, des PSE, parce qu'en fait, l'habitude des multinationales, c'est de fermer une usine très facilement. Et malheureusement, la directe, ou l'État ne peut pas bloquer un PSE pour ces raisons-là. C'est là où la loi est très mal faite. Oui. Alors, ils peuvent le bloquer pour des raisons un peu marginales, pour des raisons techniques, mais pour des raisons de fond, ils ne peuvent pas. Donc euh, la seule solution qu'il y a de contester un PSE, c'est en justice après la, le PSE. C'est ce qu'on fait, comme d'autres ont fait. Et alors c'est un, un moyen pour nous d'essayer de, de faire payer Ford un oui. peu plus. Et c'est aussi un moyen bah, de toucher à l'image de Ford et puis de montrer qu'on lâche rien sur tous les terrains. Justement, on a appris ce matin que Ford allait euh, verser hein, les, les 20 millions d'euros que, que Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, de a demandé pour euh, la revitalisation, la réindustrialisation du site. Euh, rapidement pour conclure, pour vous, euh, c'est nécessaire, c'est une bonne chose. Ben une bonne chose, c'est pas suffisant, c'est ce qu'a dit Rousset, je crois, euh, c'est évidemment pas suffisant. C'est -ce un peu confus parce que est-ce que ces 20 millions vont vraiment servir à la réindustrialisation du site Parce qu'en fait, il y a dedans la revitalisation, la dépollution, le démantèlement. Euh, est-ce que c'est vraiment 20 millions de plus par rapport à ce que la loi proposait Parce qu'en fait, il y avait déjà la loi qui, qui impose à Ford de payer ces trois choses. Donc on ne sait pas trop. Nous, on va avoir une réunion à Bercy très bientôt. On va pouvoir faire préciser ça. Euh, Ford a dit qu'il communiquerait un peu plus largement parce que visiblement, le terrain et les bâtiments ont été laissés pour 1 euro à l'État. Ouais, euh, ça, ce non, qui ouais, pourrait être le début, le début effectivement d'une bataille. Enfin, le, ce qui pourrait créer les conditions favorables pour une réimplantation d'activité. Mais le problème est posé aujourd'hui sur le parc machine. Nous, on pense que l'État doit aussi prendre le parc machine en main, ne pas faire en sorte que Ford le vende ou le, le garde. Donc, il y a tout ça à discuter. On verra bien dans les semaines qui viennent. Mais ce bon, qui est sûr, l'État a encore un rôle important. Et à ben, jouer. Nous, on espère. En tout cas, on bouscule, on pousse pour que l'État joue un rôle, qu'il prenne des décisions et que c'est aussi à l'État de, de, de jouer, d'avoir une stratégie économique et de dire, ben voilà, on va remettre ça, on va préserver les emplois. Ford s'en va, ça c'est sûr, une page se tourne. Maintenant, il faudrait que le site continue son activité et on compte sur les pouvoirs publics et les collectivités Merci. territoriales d'agir maintenant. Merci beaucoup Philippe. Merci nous, on suivra bien sûr de près la suite des, des événements pour le site de Ford Blanquefort. Merci à vous d'être venu sur notre plateau, vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant.